une solidarité accrue dès lors qu'on a maintenu au maximum la responsabilisation des familles et qu'on n'est pas allé trop rapidement sur des facilités qui ne sont plus supportables et qui viennent, je dirais, rendre difficile l'explication politique de ces politiques de solidarité. Voilà, donc sur une ville comme Montfermeil, j'en ai fait l'expérience, il y a quand même eu, je prends l'exemple de l'ANRU, par exemple, 350 millions d'euros d'investis. Quand on a investi 350 millions d'euros sur un quartier, il est normal qu'en retour, on ait un minimum d'exigences. Bien sûr. Exigences fermes. Et auquel cas, je peux justifier les 350 millions d'euros. Mais je prends ce parallèle-là pour faire comprendre que tout effort doit être protégé par cette responsabilisation qui doit être de mise. Et attention, voilà, je le redis différemment de la dernière fois, mais ça revient à ça. Donc, aucune hostilité, mais attention à ne pas déresponsabiliser.